franchement, nous sommes très très émus et les mots sont très difficiles à dire vu l'ampleur des dégâts. Mais nous disons merci au Seigneur parce qu'il n'y a eu aucune vie humaine arrachée. Si c'est le matériel, nous savons que le Dieu qui avait donné, le Dieu en redonnera pour sa seule gloire. Vraiment, nous prions que le responsable, le directeur et sa suite, qui ne perdent pas courage. C'est une épreuve qu'on peut surmonter par la puissance de Dieu et par l'union de tous les fidèles du monde entier et particulièrement ceux du Burkina Faso. Si chacun faisait quelque chose, tout de suite, on va oublier cela pour la gloire du Seigneur. C'est l'ensemble des pasteurs de notre sous-région. Hier, nous étions en conseil. Nous avons partagé notre fardeau commun et tout de suite, on a fait des offrandes. On est venu remettre le peu qu'on a eu, croyant que le Dieu des cieux va démultiplier ce qu'on a eu. Vraiment que Dieu vous fortifie et que Dieu touche des cœurs encore.